Pour sa 19e édition, le Raid Suisse Paris a choisi de faire halte dans l'Aube. Parti vendredi matin de Bâle, les 178 voitures vont ensuite converger vers la capitale en passant notamment par Reims et Laon, et tout ça en 3 jours. L'autre intérêt de ce rallye, c'est qu'il est réservé aux propriétaires de voitures de plus de 30 ans. On peut alors voir défiler des Rolls-Royce de 1928, des Bugatti, des Porsche ou bien des Jaguar. Bref, que des véhicules mythiques. On change chaque année complètement de route de Bâle jusqu'à Paris et c'est la première fois qu'on vient dans cette région-là, à fin froid. C'est très beau. On a choisi ça par la beauté de tout, oui. Évidemment, il ne s'agit pas d'une course. Pour les propriétaires, c'est plutôt l'occasion de sillonner les routes au volant de leur prestigieux véhicule. C'était dommage qu'on n'a pas pu arrêter. Hein. On est déjà la 10e fois qu'elle est là. Alors, on connaît. Quant à d'autres, le plaisir s'arrête à des choses plus simples. Pourquoi ? Oh, c'est la voiture et mon mari. Et je l'accompagne seulement. Samedi, les participants de ce 19e raid passeront la journée à Reims avant de bifurquer vers le château de Versigny, à côté de Paris, où est prévue l'arrivée.